depuis que vous êtes arrivé aux affaires, ce sont 600 000 chômeurs de plus. Et la dernière conférence du président de la République, les Français ont noté qu'on nous a parlé de terrorisme et d'international, mais rien, rien sur les mesures économiques, rien sur les mesures pour enrayer le chômage. C'est la première préoccupation des Français que vous éludez. L'inversion de la courbe du chômage n'est pas impossible, simplement votre gouvernement depuis 2 ans n'en est pas capable. Vous allez nous dire que vous avez une nouvelle arme, le plan de lutte contre le chômage de longue durée que vient de nous présenter votre ministre. Mais ça reste un coup de com', car bien qu'il s'en défende, le ministre recycle des mesures qu'il nous avait déjà annoncées. 20 mesures au catalogue désespéré pour lutter contre le chômage qui reste un coup de com' parce que chacun voit bien que ça ne va rien résoudre. Ça reste un coup de com' car, comme d'habitude, ce financement est hypothétique. Monsieur le Premier ministre, les Français ont bien compris que le président de la République avait capitulé. Les Français attendent des résultats. Après le « Je suis Charlie » et l'esprit du 11 janvier, que répondez-vous à nos compatriotes qui disent « Je suis au chômage » Et je rajoute, vous voulez lutter contre les extrêmes. C'est bien les incantations lyriques dans cet hémicycle. Mais si vous faisiez vraiment baisser le chômage, je crois que là, vous contribueriez réellement à lutter contre les extrêmes. Jusqu'à présent, depuis 2 ans et demi, vous en êtes incapables. La parole est à monsieur...